Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Allez les filles, allez là, allez, allez. Tu vas courir avec nous, toi. Oui, il n'y a pas de vas-y. Donc apparemment, le feu à l'usine où je travaille. Ça s'est déclenché, ça fait plus d'un quart d'heure qu'on est dehors. Apparemment, il y aura de la fumée. Je suis en train de bien cramer, les papiers sont arrivés en urgence. Donc là, on est dehors depuis un quart d'heure. Ça, c'est un coup de macroniste. Un coup de Macron. Oh là là, il arrive. Ça a l'air d'être assez grave, voilà. Ça court, ça court. Donc je vous laisse avec les images. Les épaisses ? Ça y est, les épaisses ? Avec le GPS ? Comme les épaisses là. Ça fume bien, hein. Ouais, ouais. C'est peut-être un moteur aussi de l'usine qui a cramé. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? On a sorti par là déjà. Alors. Oui, bah oui. Là, bah, on n'a pas vu la fumée. Bah, ça s'est peut-être déclaré après. Donc là, ils sont en train de courir pour voir passer par l'autre côté, je sais pas. Donc, je connais pas trop le bâtiment. Celui de Comixa, je connaissais par cœur, mais lui, je connais pas trop. Bon, en tout cas, ça fume bien. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir plus vous zoomer. Mais bon, blanc, avec, comme le ciel est un peu blanc, on voit quand même qu'il y a de la fumée. Donc voilà. Voilà, on est tous dehors. Ils ont été chercher le rouleau. C'est le rouleau pour éteindre le feu. Ouais. Ça continue à fumer. Ah, vous voyez, là on voit bien la fumée qui sort. Vous voyez la fumée là? Donc, comme là-bas, c'est tout ce qui est électronique, chauffage, machin. Peut-être un truc qui a pété, qui a dû prendre feu, je sais pas. En tout cas, ça peut être hyper dangereux, ça peut même exploser carrément. Hein. Peut-être un malien du pété aussi, je sais pas. Ouais.
Tantôt, c'est Didier qui a pété, il a tout fait exploser. Donc ça fume bien. Encore les pompiers. En tout cas, ça a l'air peut-être bien chaud parce que pour que les pompiers courent comme ça, c'est que voilà, c'est ça m'a l'air d'être assez important au niveau du feu. Là, on est tous dehors. On est un peu plus de 90 personnes. Je crois que chez nous, à Comexa, ça nous est arrivé une année aussi, il y a eu un truc qui avait cramé. Et le plus où ça avait cramé, c'est quand je travaillais dans la restauration à côté de Montrouge, que c'est une voiture qui a pris feu, c'est le moteur qui a pris feu. Et ça avait bien flambé, ça avait fait cramer d'autres voitures. Et là, c'était vraiment... on était obligé de tout mettre à la poubelle, parce que la fumée allait rentrer dans le restaurant. On a pu essayer de récupérer ce qu'on a pu récupérer, mais heureusement, j'avais gardé... ma pâtisserie dans le frigo, donc ça n'avait pas touché. Heureusement, j'avais fini. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, ça fume bien là-bas encore. Ouais, je pense que c'est au niveau de là, vous voyez les deux grandes portes noires là-bas. Ça doit se passer de. Ça doit être dedans. C'est soit un truc de moteur qui a dû céder ou ça a pris feu, j'en sais rien. Un court-circuit peut-être. En tout cas. On commence bien l'année 2022. Donc voilà. Ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'on est dehors. Voilà, voilà. Donc là, ça c'est une remorque. À côté, c'est la benne où on met tous les fruits pourris. À côté, le petit truc bleu là, vous voyez là. Et ça, c'est la rampe là pour pouvoir entrer dans l'usine. S'il n'y a que par là, tu peux passer. Et tout ça en haut, tout ça, c'est des bureaux. C'est les bureaux de. Des. Qu'on appelle ça des. Les gens qui sont là pour avoir des clients. Voilà. Et le temps, il est un peu. Ah, il se met au bleu. Il se met au bleu. Ah, un autre pompier qui court. Ça court. C'est les pompiers de Paris.
Donc, est-ce qu'ils ont maîtrisé le feu, j'en sais rien. En tout cas, je ne vois presque plus de fumée. Il y a encore un petit peu qui ressort, mais bon. Voilà. Ah si, ça ressort encore. Il y a encore de la fumée qui ressort. Ah non, en fin de compte, vous voyez, il y a encore plein de fumée qui ressort. Je vais dire, c'est pas fini. Donc bah voilà. Voilà les nouvelles de mon travail. Ah, ça, y a le soleil qui arrive. On est à peu près une distance de moins de 3 mètres, 3-4 mètres, si c'est pas plus. Pour éviter si jamais ça explose, au moins voilà, on est. Et encore. Encore, je sais même pas si on est protégé si jamais ça explose. Là-dedans, c'est tout ce qui est machine qui fait fonctionner les frigos et tout ça. Donc si ça se met à exploser, je sais pas si on est vraiment en sécurité. Donc voilà. Putain, t'as le macroniste là-bas. Ah, lui, il est à fond Macron, lui. Oh, la honte. Ouh, Macron. Alors, moi, je suis Poutine et lui, il est Macron. Bon, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ah, c'est une petite vidéo de... petit accident à mon travail. Voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis Kenavo, je vous dis Avidenzen. Et bah, je vous dirai si ça a évolué ou pas. Voilà, ouais, pompier qui court. Je pense que c'est fini, je sais pas. En tout cas, ça court encore, donc je sais pas. Non, on entend encore d'autres pompiers. Et ça fume encore. Hein. Ça fume encore. Ah, ça fume bien. Hein. À mon avis, c'est pas encore fini. Hein. Donc bah voilà, donc je vous laisse sur ces images et on se dit à une prochaine. Ciao ciao.